Salut à tous et bienvenue. C'est un grand jour pour le continent américain car c'est aujourd'hui que s'ouvre cette compétition. Les 12 plus grandes nations vont s'opposer. Comme d'habitude, l'ambiance est exceptionnelle ici. Regardez et écoutez ce stade. On en prend plein les yeux. J'espère que vous allez apprécier autant que nous car je peux vous assurer que ça fait des heures que ces supporters mettent l'ambiance aux quatre coins de la ville comme au stade. Ça promet. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. C'est le moment de l'hymne national de la Colombie. Impressionnant, mais ce qui va suivre va l'être tout autant. L'Uruguay espère bien sûr réussir son entrée dans cette compétition. Oui, le premier objectif est bien sûr de franchir cette phase de groupe. Et une victoire aujourd'hui serait déjà un premier pas. Espérons voir du spectacle. Même si je crains que l'enjeu ne modère un peu les ardeurs. Et c'est parti! Un long ballon vers l'avant. Ça ne passe pas. Et la touche maintenant. Long ballon dans le sens du jeu. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. La bonne passe. L'ouverture lumineuse dans la profondeur. Et pour lui, attention. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Ça joue long vers l'avant. Danger repoussé pour le moment. Il cherche son coéquipier. Bonne lecture de la trajectoire. Le bon ballon. Ce long ballon ne donnera rien. Très belle ouverture. Une très longue passe. Il paraissait bien seul aussi. Il allonge vers l'avant. Oh, bonne lecture, intercepté. Il cherche ses attaquants. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. La longue passe. C'est trop long, pas assez précis. Il allonge le jeu. Ballon intercepté, ça soulage la défense. C'est osé. C'était une bonne intervention. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Bonne interception, il y avait danger.
Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Il a choisi de jouer long. Minutes se sont écoulées. Zéro tir dans ce match encore, mais que se passe-t-il? Attention au centre. Ça va sur l'aile. C'est bien fait. C'est joué long. Ils sont vraiment bien en place, comme vous dites. Encore une passe captée. Un peu d'air pour la défense. Il décide d'allonger le jeu. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Long ballon pour filer droit au but. L'Uruguay qui peut avancer. Allez. C'est joué long. C'est dégagé, loin devant. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. L'Uruguay qui cherche l'ouverture. Il joue sur sa gauche. Oh, quel geste! Un centre. Sanchez. Il joue long. Il est là pour dégager. C'est récupéré. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Long ballon dans le sens du jeu. Cette attaque n'a pas pu se développer. Il allonge vers l'avant. Ça joue long vers l'avant. Un peu d'air pour la défense. Ça n'a pas pu aller plus loin. En retrait. C'est plutôt intelligent. Un long ballon vers l'avant. Danger repoussé pour le moment. Il choisit la profondeur. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en dire. Bon service dans la profondeur. Arias, ça joue long. Il cherche à le servir. Il dégage. Un très long ballon. Oh, s'il réussit son contrôle. Il allonge vers l'avant. Il a stoppé l'attaque adverse. Il décide d'allonger le jeu. C'est dégagé. Et c'est directement récupéré. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer là. Ça passe. C'est joué derrière. Il peut y aller. Allez jusqu'au bout. Ouais, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Il la repousse. Ça ne passera pas.
La longue passe. Le gros dégagement. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Ça passera sur le côté. Ce ballon bien dosé. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe, ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien organisés. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux buts. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Bonne intervention. Longue passe vers l'avant. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Et dégagement du gardien. C'est joué dans l'espace. Le ballon dans la profondeur. Il reçoit le ballon. C'est bien donné. Il y a danger. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Sanchez. Ça joue long. Ouf, un peu d'air. La bonne conservation de balle. Quelle passe! Encore une passe mal assurée. Il faut être plus précis. C'est joué long, attention. C'est parfait, magnifique. Ouais, il peut choisir de centrer. Oh, attention. Il tire. Ospina, quelle parade! La parade spectaculaire. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Il rejoue derrière lui. Il est bien placé. Il met le ballon dans la soupe. Ça peut faire mal. Le but, le but. Voilà un joueur qui va falloir marquer de court. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond des filets. Le jeu reprend, ça fait 1-0. On dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien. S'il le trouve. Un ballon intéressant. Dans l'espace. Ah non, ils ne se sont pas compris. C'est joué long. Long ballon dans le sens du jeu. Ça, c'est une interception parfaite. Le long dégagement du gardien.
Mais il va être sanctionné. C'est repoussé. Magnifique parade, le danger est écarté. C'était pourtant bien tenté, mais le gardien fait un très bel arrêt. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Bien, bonne intervention. Il est tout seul. Ça va atterrir dans l'axe. Des deux points. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Exactement, oui. Ça défend comme ça peut. Ça va sur l'aile. Cuadrado. Le ballon piqué sur le côté. Il déclenche son centre. L'interception, bien joué. Luis Muriel qui rejoue derrière. Le foot est un sport collectif. Sans coéquipier, on ne fait rien. Il ne se pose pas de questions. Cuadrado. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir. Cuadrado. Il est à distance de tir. C'est joué long, c'est dangereux. C'est reparti, ils peuvent contrer. Bien servi. Au tour du gardien de jouer. Quelle passe. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Et c'est récupéré encore une fois. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, c'est chaud. C'est dégagé. Il cède sous la pression. Quelle occasion, attention. Ça joue long, vers l'avant. Il était bien présent. Arias. Une longue passe. Un long ballon. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Arias. Ouverture lumineuse. Il frappe loin devant. Quel timing dans l'interception. Il récupère le ballon. Il frappe. Oh, ça aurait dû faire 2-0 ça. Oh là là, c'était chaud. Avec deux buts de retard, ça aurait été quasi impossible pour eux. Toujours 1-0 alors qu'on s'approche de la fin de cette rencontre. La longue passe, il peut en profiter. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. C'est une occasion ça. Et l'arrêt, magnifique. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. C'est joué long. Long ballon dans le sens du jeu. Il allonge le jeu. Oh, quel geste! Dernière chance pour un centre! Il joue en retrait. Il faut se projeter maintenant. Belle passe lobée.
C'est dégagé loin. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Et c'est exactement le genre de départ dont ils pouvaient rêver. Ça les met en position idéale pour le reste de la compétition. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Vous savez, c'est parfois compliqué d'être prêt physiquement et mentalement dès le début de la phase de groupe. Mais ils ne sont pas tombés dans le piège.